ותשתדל למנות בידיך בהקדמה. אוי אוי אוי. Ça, chaque année, je ne sais pas à cause de ça si je fais le gala ou pas. Ah, mais non, il y a des gens, ils viennent, ils promettent, ils donnent, ils promettent de donner. Et même s'ils donnent, ils ne donnent pas vite, ou il y en a parfois, ils ne donnent même pas. C'est Tu fais un éder. Empresse-toi de donner ce que tu as promis de donner. Si tu dis lech vashuv, reviens demain. Pour l'instant, on verra. Reviens demain, je te donnerai. Comme ça, tu dis à celui à qui t'as promis de donner, ça montre tsarut ayn. Non, mais il a du mal à donner. Batoach tiftach et yadecha. Alken itatzel bematanato. Gam ikrayu avon, ça s'appelle aussi une avon, une faute. Ba'asher yachlim havero b'omro elav lech vashuv. Il fait honte, il dit reviens demain, reviens plus tard, je donnerai plus tard. Mais vayesh. Gam yatzik lo betohelet memushechet, gam ça lui fait du mal, le fait de le faire patienter, de le faire attendre. Pekitsu, t'as promis quelque chose, donne, fais. T'as promis d'aider, gam si c'est pas de l'argent, aide. Ne laisse pas, ne tarde pas. Oh, et si tu as en plus les moyens, combien c'est bas. Amour abotenozal qui bichna la azara azot sheloy aher adam schar sachir inclus dans cette azara là de Shlomo HaMelech, le fait de pas tarder et retarder un paiement d'un schar sachir, on sait que c'est un lave de raïta. Et on verra là c'est de raïta. Beyomot iten scharo, on t'a fait quelque chose, on t'a rendu un service payant, on a l'obligation de payer le jour même. Boker nishon, over belo talin. Mikan ve'elach, over belo yashuv. Lech vashuv. Ve'yesh lefarej, al timnatom mibe'alav, min asachir va'alove. Uperosho hareken, al tomar lerecha, lech vashuv. Il joint les deux psukim. Al timnatom mibe'alav, celui à qui tu dois du tov, c'est qui le sachir. Il est venu, il t'a fait un travail, ou t'as pris un... n'importe quel, même il y a des tzadikim quand ils prenaient un taxi. C'était Mechaven, Beyomot et Tenzcharo, gars. Ils allaient chez le coiffeur, Beyomot et Tenzcharo. Chaque service qu'on faisait payant, il y a Beyomot et Tenzcharo. Du lové aussi. Celui qui a prêté de l'argent. Le lové l'a emprunté. Il faut qu'il rembourse son prêt en temps et en heure. Ou Purusho, Hareken, Altomar, Lerecha, Lechvashuv. Ne lui dis pas, hein. Plus tard, on verra. Plus tard, Bezat Hashem, pour l'instant, ne dis pas ça. Vous, Azara, Shiye, Masao, Matao, Naim, Koladam. Comment c'est important ça, d'être droit. Celui qui fait ça, combien il est aimé par les gens. Celui qui ne fait pas ça, combien il est moins aimé. Il n'est pas droit. Son dibour, il n'est pas droit. Il n'est pas. Il dit, il n'accomplit pas ce qu'il dit. Il ne paye pas en temps. Il ne rembourse pas son prêt comme il faut. Même si on sait qu'il va rembourser, mais c'est pas. Il faut être droit. Et la Hatzlout, elle nous empêche de faire ça. On repousse tout. C'est pour ça que c'est... pas stam le Inyan de la Zrizout, surtout le matin. C'est pas stam. C'est toute la vie d'un homme. De suite, Zrizout. Rien laisser traîner. Être éveillé, être vif. Où est la marmite? J'ai pas reçu, il me manque une marmite. Oh non, là, je pense à ça aujourd'hui. Peut-être ils comprennent rien ceux qui nous voient. Ils disent, c'est comment c'est écrit la marmite dans la volée. Zrizout. Lyotzariz, c'est pas d'être rapide, c'est d'être éveillé, d'être vif, de faire attention à sa avodat Hashem, d'être quelqu'un qui fait les choses bien, rapidement. Pas
traîne, misken, celui qui traîne un rabotage, je vous dis misken, le barou qui traîne, misken ou misken, toute sa vie il va être misken. Toute sa vie il va être misken. Shlomo Amen et Chava Shalom. Stam Ipan, Raïti, comme ça, regardez le Messiah Tisharim. Il amène tous les psaumes de Shlomo. Je suis parti devant le champ d'Aratzel, Veinéala, Kulo Kamchoni, Zanishpar, Zanishpar, Zanishpar. Et il décrit toute la vie du Aratzel et toutes les conséquences de l'Aratzlout, combien elles sont graves. Misken Abachou qui traîne la patte. Misken. Après, dans tous les Nyanim, il traîne. Dans l'Avodat Hashem, le plus grave. Ah, doucement, ouais, il traîne, il tourne, comme ça. Kohanim Zrizim, comment veut-on Amigdash? Tout. Tac, 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 tac. Hein, Bi David? Kohanim Zrizim. C'est pour ça que la Gemara dit, Kohanim, ils sont aussi Karazanim. Comme ça, on a pris en chemin, d'accord? On a pris en chemin, d'abord, on a écouté un chiour magnifique. En chemin pour un mariage. Les Kohanim sont un peu plus coléreux. Pourquoi? Parce qu'ils sont Zrizim. Ah, c'est mal, hein. Ça vaut la peine. C'est mal, hein. Les autres Zariz. Levez le matin, Zariz. Zariz, Zariz. Ah, quoi, Zariz. Les mots de Torah, Gam Zariz. Gam les Zrizout. Zrizout, ça ne veut pas dire bâcler. Zrizout, ça veut dire de faire les choses de manière vive. Vive. Vive, vive. Vous avez compris. Tina, mes Zrizout. J'ai les dernières. Tout son corps. Kol atzmotai tomarna mikamocha Hashem. Kol atzmotai tomarna. Kol atzmotai. Comment ta atzmot ils disent mikamocha? Comment ta atzmot ils disent mikamocha? Ta bouche dit mikamocha. Comment ta atzmot ils disent? Mais n'a rien. Quand ça me marre. Mais n'a rien. Ils résoutent. Quand j'arrive à mourir. Non. Kol atzmotai tomarna. Vas-y, des bachourim, ils dorment comme ça. Il dorme sur la table, il dorme sur un truc, il dorme en cou, il dorme comme ça, il dorme comme ça. Une fois la tête devant, une fois la tête derrière. Comme Goliath. Perdu, tombe en arrière, il tombe en avant. Une fois, il tombe en arrière. Zénès, quoi, il me dit flotte. Et il dort, il dort, il dort. Il dort. Mais il dort, mal à mal, dormir sans arrêt. Dormir la nuit. Zéro. Ah, mais j'ai pas bien dormi cette nuit. Eh ben, tu dormiras la nuit d'après. Qui c'est qui dit ça? Vous croyez que c'est moi qui dis ça? C'est Chovot HaLevavot qui dit ça. Il dit un homme qui a raté du sommeil, c'est pas grave. Ce qu'il a sauté, il a sauté. Et la nuit d'après, il récupérera. Vous croyez qu'il récupérera, il va dormir plus? Non. Ça veut dire qu'il va dormir le même nombre d'heures et il va récupérer le sommeil qu'il a manqué. Le Yetzirah, il vous parle comme ça? Non, il dit qu'il faut rattraper. S'il a dormi 2 heures cette nuit, il a l'habitude de dormir 6 heures, il lui manque 4 heures. La nuit d'après, il faut qu'il dorme 10 heures. 36 plus 4. Non. Il dit, on va t'aller ma vote. Il dort 6 heures, il a récupéré les 4 heures. Pelle et plaim. Je me rappelle quand on a lu ça avec le Ravarié. On a fait, on va t'aller ma vote. J'étais étonné. Et j'étais content de voir que le Rav aussi s'étonnait. Il dit, ah, c'est pelle. Il douche. D'accord ? On ne croit pas comme ça. Comme ça, il écrit, on va t'aller ma vote. La nuit d'après, tu vas rattraper. Ça veut dire que quand tu rattrapes, tu ne rajoutes pas une minute. Tu dors le même nombre d'heures. Et ça rattrapera le manque de sommeil. Comme ça, il dit, on va t'aller en route. Alors, qu'est-ce qu'il y a si une nuit, il te manque? Alors, tiens le coup cette journée. Bientôt, ça va venir la nuit d'après. Non, lui, il est obligé d'être... Zarise, il faut que je rattrape maintenant. Comme ça, il a dit le rave. Il dit, il faut être zarise, il faut rattraper vite. Il faut faire les choses vite. Alors, vite, je dors. Boum. Il dort tout de suite. Voilà. T'as rien compris. C'est pas ça, Zrizout. Zrizout, vous attachez, vous éveillez, gamme fatiguée, gamme zé. Comment il va faire quand il y aura des nishonot dans la vie? Comment il va faire? Comment il va faire ce bachour là qui traîne, qui dort, qui... Comment il va faire quand il y aura des nishonot dans la vie? Il va se cacher sous la couette. Il faut retrousser les manches. Il faut affronter. Il faut affronter les nishonot dans la vie. Il dit, lech vashuv, ah, demain, Paro, Arasha, Gadol, Azé, il vient voir, Moshe Rabbeinu, il vient le voir, il dit, Matai, quand est-ce que tu veux que je t'enlève les tzfardéas? Il dit, Maha,
Vous avez compris ce pasouk là? Demain! Il est en train d'exploser! Il dit, quand est-ce que tu veux? Demain! Les Réchaïm, ils sont tellement habitués à dire demain, que même pour ça, il dit demain! Demain, ben, ça sera ta chème, demain! Même ça, il est habitué. Il dit, demain, c'est Paro, c'est Yitzhara. C'est Yitzhara, Paro, hein? C'est comme ça. Demain, tout demain, tout demain, Yitzhara, c'est demain, demain. Même le régime, demain, tout demain. Tout demain. Non. Ça dit que c'est Hayom. Imbe Kolodishmaou. Quoi, le régime, tu regardes. Demain, je commence, comme ils disent. Un jour, oui, un jour, non. Aujourd'hui, non. Ça s'écrit. Il y a plein de blagues comme ça. Demain, Icar, demain. Demain, demain. Ça, c'est la méthode de travail du Yetzer Hara. Quand est-ce que tu seras Tamid Raham? Là. Doucement. Aujourd'hui, j'ai pas bien dormi cette nuit. Demain. Quand est-ce que tu vas travailler les Midot? Demain. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Demain. Et demain, il lui dit demain. Et demain, il lui dit demain. Et il fait plus rien, jamais. Zemaha. Maha. Zeparo. Paro. Quand est-ce que je t'enlève le tzvardeim? Maha. C'est pelle ou plein, c'est pas ça. Il y a beaucoup de pirouchim. Ce pirouche-là, j'ai entendu du Rav Loeb aussi. Le chat, il est tellement dans son teva qu'on fait rien maintenant, tout demain, même ça. Les ratos, il voit le mal devant ses yeux, il voit le mal. Il peut pas. Maintenant, je peux pas. Je ne peux pas, j'ai pas la force. Oh, il va voir le baron qui s'habitue à réfléchir comme ça ou à vivre comme ça. Demain, on verra. Oh, il va voir. Hayom, imbekolotishma. Asher anochim et savait être Hayom, Hayom. Combien de fois dans la Torah, dans le bien, s'écrit Hayom? Hayom. Imlo arshav et matay. Ma matay. Maha. Ma baya, ma kushia. Le Tanaï te dit, si c'est pas maintenant, alors quand? Moi, il y en a, ils ont une réponse pas joute. Maha. Ma quand? Maha. T'as pas compris ce qu'il te dit, le Tana? Il te dit, im lo achshav, az lo ye. Maha, ça veut dire jamais. Lo ye, lo ye. Si maintenant tu dors, demain aussi tu dormiras. Si maintenant tu te lèves tard, demain aussi tu vas te lever tard. Quand on dit à un barou, comment tu vas faire quand tu vas te marier, c'est pas une blague. C'est une metziout. Si en tant que barou, il s'est pas pris en main, marié, il se prendra pas en main. Si avec un enfant, c'est comme ça, avec 10 enfants, ce sera pareil, encore pire. Ayom, il faut se prendre en main. Ayom, anita mitracham. Ayom, anita mitracham. Ayom, anita mitracham. Ayom, ayom, achshav. Achshav, tfila tarvit, achshav. Kol atzmotai tomar na micha mocha Hashem. Achshav. C'est pour ça que le Inyan, la Zrizout, elle est même dans les ma'asim, même dans les ma'asim extérieurs. Les peroulot. Achav ha-peroulot m'shachim ha-levavot. Le cœur, il suit les peroulot. Si tu as des peroulot qui sont lourdes, tu as des actions qui sont lourdes, ton cœur, il sera lourd. Ton intérieur, il sera lourd. Si tu traînes, si tu te mets en savate, il y a des bachurim qui se mettent en savate. Ta tête, elle va marcher comme une savate. Si tu mets pas la veste, le chapeau, si tu disais, c'est ma chpia. C'est ma chpia. Un homme, il enlève sa manière d'habiller, aussi sa manière de penser. L'habit, il fait le rabbin. Mais vada qu'il l'habit, il fait le rabbin. Qui c'est qui dit l'inverse? Mais vada que l'habit, il fait le rabbin. Comme ça, il dit, mais c'est charim. Pour une fois, ils se sont trompés, les goïms. À chaque fois, ils ont pris tout de nous, ça, ils ont pas pris. Peut-être, une autre facette. Altistakel bakankan. Les akavana, mais c'est pas l'habit. Non, ça, c'est pas l'habit. L'habit, il fait le rabbin. Aaron, on dit le rabbin, comme ils disent. L'habit, il fait le rabbi. Oh, quelle belle. L'habit, il fait le rabbi. Mais je dis, il fait pas le rabbi. Attends, tu me dis, il fait le rabbi. Je dis, l'habit, il fait pas le rabbi. Toi, tu dis, il fait le rabbi. Il fait.
Venez. C'est pour ça que tu as mis d'arrêt. Alta guide l'homme mahar. Lech vachouv mahar et tendres. Va, demain je te donne. Demain je te donne. Il n'y a pas demain. C'est archav. Imlo archav et matai. Si ce n'est pas maintenant, ce ne sera jamais. Zak avana sur la tana. Si maintenant un homme ne se prend pas en main, il ne se prendra jamais en main. Il faut arrêter de s'appuyer sur le demain, sur le Yetzirah qui nous dit demain. Gam. Demain, hein. Qui dit? Qui dit? Shav yom, yom echad, fimita techa. Qui m'a harna mout? J'ai pris demain, même. Dis pas demain, dis tu sais demain ce qu'il y aura. Ayom, attention. Bechol yom, yu begadecha levanim. Bechol yom, yu begadecha levanim. Chaque jour, tes vêtements ils doivent être propres. Chaque jour, tu dois être parfait. Maintenant, tu dois être parfait. Pas demain. Demain, tu sais pas ce qu'il y aura. Vas-y, va prendre en main maintenant. J'aime les akènes. Bon, on a eu l'onam. Amen, amen.